cherchais mes différences. Ce désir où des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut. Quelle belle chanson, les amis. Shalom à tous, bienvenue. Café du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril, donc je me dépêche parce que faut que je parte au boulot. C'est ce que le Seigneur me chantait ce matin à mon esprit. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai toujours tracé mon chemin. Amen. Waouh. Et il mettait quasimodo, il mettait plein de trucs à mon esprit. Alors j'ai pas fait tout le lien, le rapprochement, mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre qu'ils me disent ça. Alors, ce matin, le Seigneur, il a prévu deux psaumes qu'on va écouter tout de suite. Si, évidemment, ça veut bien fonctionner. TikTok ne fonctionne pas, les applications ne fonctionnent pas. Mais qu'est-ce que c'est ? Bizarre, ça. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Bénissons Jésus-Christ, notre Roi, qui revienne à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Mardi 26 mars, psaume 103. On écoute d'abord le psaume, puis après, on l'utilise pour prier. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Psaume 104. Non, on n'a pas de temps. Il dit dans le psaume 103, là, à partir du verset... attendez, je l'avais il y a deux minutes, mais autant de mettre pause sur le truc, je lâche l'affaire. Il dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous êtes puissants en force. » Alors, c'est que c'est...
Voilà, au verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Quand Jésus te demande de pratiquer l'Évangile, il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ, parce qu'on est changé en la même image que Dieu. On est des êtres spirituels, on n'a plus de corps, donc on est des esprits. Amen. On vit en esprit et on vit avec le Saint-Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ses ordres. Amen. Donc on est les anges de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit obéir à Dieu, parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Que nos âmes te bénissent, ô Éternel, que nos âmes et tout ce qui est en nous, dans notre cœur, nos pensées, te bénissent et bénissent ton saint nom, notre Dieu. Que nos âmes te bénissent, ô Éternel, notre Dieu. Qu'on n'oublie aucun de tes bienfaits envers nous. C'est toi qui as pardonné toutes nos iniquités, nos péchés, par tes mérites, sur la croix. Mais pas que, par tes mérites durant 33 ans de ta vie terrestre sur terre. C'est toi qui as guéri toutes nos maladies, Seigneur. On était malades à cause de notre communion avec le péché, avec les démons, avec la malédiction. C'est toi qui nous délivres, c'est toi notre libérateur, c'est toi notre vie. Tu nous as délivré nos vies de la fosse, Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu as détourné nos pas de la mort. C'est toi qui nous couronnes de bonté, ô Éternel, et de miséricorde. C'est toi qui rassasies de bien nos âmes, jusque dans la vieillesse même. C'est toi qui nous feras rajeunir comme l'aigle. C'est toi qui nous donneras le salut, un nouveau corps. Merci, Éternel, de nous faire justice. À toi la colère, la vengeance et la rétribution de tout ce que le monde nous impose. Aide-nous à surmonter le mal encore aujourd'hui qu'on nous fera à cause de ton nom. Aide-nous à surmonter le mal qu'on nous fera par le bien, Seigneur. À ne pas rendre à nos ennemis injure pour injure, coup pour coup, mot pour mot. Merci Seigneur de faire droit aux opprimés. Merci Seigneur d'avoir pitié des orphelins. Merci d'avoir manifesté tes voies à Moïse et surtout d'être venu sur la terre tracer ton chemin pour qu'on aille plus haut. Merci Éternel notre Dieu d'être miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, de ne pas contester sans cesse avec nous, de ne pas être dans le reproche, d'être notre avocat, notre juge, notre Dieu. Merci Seigneur de ne pas nous traiter selon nos péchés, de ne pas nous punir selon nos iniquités. Ta bonté est grande, Seigneur, nous le savons. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ta bonté est grande, Seigneur. Merci d'éloigner de nous, Seigneur, nos transgressions, de les anéantir. Donne-nous de vivre aujourd'hui, dans toute notre conduite, nos pensées, nos paroles, pour toi, Seigneur. Permets que nous veillons, que nous prions, Seigneur, et que nous persévérons aux prescriptions que tu nous as laissées dans l'Évangile. Merci, Seigneur, d'avoir compassion de nous et de mettre en nous la bonne crainte de Dieu, comme un père a compassion de ses enfants. Tu as compassion de nous. Sois loué, Éternel. Merci. Tu sais de quoi nous sommes formés, Seigneur, et tu te souviens que nous sommes poussière, que nos jours sont comme de l'herbe. L'herbe, elle fleurit, hein, la fleur tombe, l'herbe se dessèche dès que le temps a passé sur elle. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Donc, Seigneur, mets dans nos cœurs ta crainte. Mets dans le cœur des élus qui ne te craignent pas encore ta crainte, Seigneur, afin qu'ils puissent vivre selon l'Évangile. Merci, Seigneur, car ta miséricorde durera toujours pour les enfants de nos enfants, pour ceux qui gardent ton alliance, l'alliance nouvelle et éternelle que nous a donné Jésus-Christ au moyen de son corps et de son sang. Seigneur notre Dieu, fais-nous souvenir aujourd'hui de tous tes commandements afin qu'on puisse les accomplir.
Éternel, ton trône est établi dans les cieux, et ton règne domine sur toutes choses, d'éternité en éternité. Nous te bénissons, les élus et moi-même, Éternel. Nous sommes tes anges, c'est ce que tu as fait de nous. Tu nous as rendus puissants en force, parce que tu nous donnes le Saint-Esprit. Nous voulons exécuter tes ordres, Seigneur, et obéir à la voix de ta parole, à la voix de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous voulons te bénir, Éternel, et unir notre voix à la louange des saints, au ciel et sur la terre. Que l'Éternel des armées soit béni par toute son armée, par tous ses anges, par tous ceux qui le servent, par tous ses serviteurs qui font sa volonté. Nous te bénissons, Éternel des armées, car nous faisons partie de toutes tes œuvres qui te bénissent. L'Éternel des armées, notre Dieu, est béni dans les lieux de sa domination. Que nos âmes s'unissent à tous ceux qui bénissent et qui adorent Dieu, l'Éternel des armées, en Jésus-Christ. Amen. On va écouter le deuxième psaume, les amis, puisqu'il n'est pas trop tard. Alors, je ne reviendrai pas cet après-midi pour le coup si je fais les deux psaumes ce matin. Je ne reviendrai pas cet après-midi à 14h30. C'est le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Amen, c'est magnifique. Il veut nous emmener plus haut, il a tracé son chemin. Amen. Comme il me le disait dans la chanson ce matin. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manque plus. Attends. Et heureusement qu'il a tracé ce chemin pour aller plus haut, les amis. Alors suivons-le. Amen. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 20. Non, on fait le psaume 23. Donc l'Éternel est notre berger, c'est lui qui nous dirige, qui nous conduit sur son chemin de vérité. Pour la vie. Amen. Nous ne manquerons de rien. Il faut garder confiance en l'Éternel. C'est lui qui nous fera reposer dans les verts pâturages, donc dans les cieux. Amen. En Éden. Il nous dirige près des eaux paisibles. Que celui qui a soif vienne à moi, dit Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il est le dispensateur des eaux de paix, des eaux de vie. Amen. Il restaure nos âmes, donc c'est le Seigneur qui nous restaure, et c'est nos âmes qui ont besoin d'être restaurées avant d'avoir le salut. C'est nos âmes qui ont besoin d'être réparées avant d'avoir le salut, avant d'avoir un nouveau corps. Parce que si ton âme elle est toujours infecte et blessée par le péché, ton âme, même dans un corps céleste, angélique, elle continuera à vivre comme un démon. C'est pour ça que Jésus, il entre en nous par le pain et le vin, par son corps et par son sang, et qui nous donne le Saint-Esprit Consolateur, qui répare, c'est le réparateur de brèches, il répare nos âmes, il restaure nos âmes, avant de nous enlever et de nous monter dans le royaume des cieux. Il me conduit dans les sentiers de la justice, donc voilà le chemin, le Seigneur nous rappelle le chemin. Je comprends pourquoi me chantait du Tina Arena ce matin. J'ai jamais suivi vos routes, les chemins de large et spacieux de la perdition. J'ai toujours tracé mon chemin pour aller plus haut. Amen. C'est magnifique parce que si nous le suivons, ben, on ira avec lui là où il est. Amen. Et lui, il est en Éden. Il est dans les hauteurs célestes. Donc, désirons aller vers lui, les amis. Désirons le suivre et tout abandonner s'il y a dans ce monde, les amis. Amen. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est lui qui les a tracés, les chemins de la justice, les sentiers de la justice. Un sentier, c'est tout petit, c'est vraiment étroit et resserré. Amen. Et il est la porte des brebis, donc le sentier qu'il a tracé conduit à lui. Amen. Dans les hauteurs célestes,
Soyons ses imitateurs, les amis, en parole, en pensée, en œuvre, parce que quand il arrivera rechercher sa sainte Église, ses élus, qu'il a lui-même restauré, préparé, qu'on ne soit pas ici dans les ténèbres à pleurer, déçu de ne pas partir en ce jour-là. C'est ce que nous voulons, hein, c'est ce que nous voulons. Amen. Donc ne vivons pas selon le monde, mais vivons pour notre Dieu aujourd'hui. Soyons des témoins de Jésus aujourd'hui encore dans nos vies. Amen. En parole, en conduite, soyons des modèles dans cette société méchante, dans ce monde mauvais. Soyons des modèles marchant à l'image de Jésus, notre Dieu. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc ici, sur la terre, on est dans la vallée de l'ombre de la mort, pardon, on est dans la vallée de l'ombre de la mort, mais on doit craindre aucun mal, on doit avoir confiance au Seigneur, car le Seigneur est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent, il est notre berger. Amen. Il y a le berger ici, les loups ont toujours rôdé dans les montagnes, hein. Les brebis, elles ne sont pas affolées, elles ont confiance au berger. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Jésus a tressé la table de l'évangile, les amis. Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la table, il faut manger à la table du Seigneur, puisque les ennemis ne mangent pas, eux, à la table du Seigneur. Ils sont dans la disette, ils sont dans la famine, mais nous mangeons la table du Seigneur et nous sommes rassasiés. Nous mangeons au corps et nous buvons au sang de notre Seigneur Dieu. Qu'il soit béni. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Donc il nous donne une onction spéciale, celle de Jésus-Christ. Jésus est le chef, la tête. Et comme le parfum est descendu sur la tête d'Aaron, préfigure, hein, de Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit même qui nous a visités. Amen. La bonne odeur de l'agneau immolé, le parfum de bonne odeur devant Dieu, c'est cette onction que nous donne Christ. Amen. Tu oins d'huile ma tête et notre tête, c'est Christ, c'est notre chef. C'est lui la bonne odeur de l'agneau immolé, c'est lui qui a l'onction et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui pense pour nous, c'est lui qui agit pour nous, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Amen. Notre coupe déborde de joie, d'allégresse, malgré le mal qu'on nous fait. Et c'est, ça rend fou l'ennemi, ça enrage l'ennemi. Parce que l'ennemi, il se casse la tête, il perd de l'énergie à nous faire du mal, mais on surmonte tout le mal qu'il nous fait par le bien. On prie pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. On ne rend pas le mal pour le mal. On ne rend pas injure pour injure. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qui est le bonheur? Qui est la grâce? Qui nous accompagne? Notre berger. Notre berger, le bonheur. Notre berger, la source dont nous avons besoin. Il est la grâce. Et sa grâce nous suffit. Son nom nous suffit. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle est la maison de l'Éternel? C'est le corps de Christ. Amen. Allez les amis, on fait un temps de prière parce qu'après, je vais partir au boulot. Éternel, notre berger, les élus et moi-même, par la parole fidèle et véritable, ton Fils Jésus-Christ, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, car nous ne manquons de rien. Ta grâce nous suffit. Pardon. Ton évangile, Emmanuel, ton Fils, que tu nous as donné, nous suffit. Pour être puissant en force, quand nous accomplissons tes ordres, nous tes anges, nous écrasons la tête des serpents et des scorpions. C'est exactement ce qu'il voulait que je vous dise hier. Amen. On ne se bat pas avec les gens, hein, mais on écrase la tête des serpents et des scorpions parce que l'intelligence de l'évangile nous rend plus intelligents que les démons. Quoi qu'ils nous fassent de mal, on est plus puissant qu'eux parce que nous, on continue à faire le bien. Amen. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui as fait les sentiers et le chemin de vérité pour la vie. Nous te prions, les élus et moi-même, de nous faire la grâce d'y marcher et de suivre tes pas pour entrer dans la maison de l'Éternel, notre Dieu, donc le corps de Christ, donc le royaume des cieux, afin qu'on puisse se reposer dans les verts pâturages. Nous, les brebis que tu diriges, donne-nous
l'eau paisible, Seigneur, après que tu auras restauré nos âmes. Conduis-nous dans ces sentiers de justice, ô Seigneur, à cause de ton nom glorieux. Que tout soit fait pour l'amour de ton nom glorieux, Seigneur. Ici, on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur. Mais donne-nous de ne craindre aucun mal, Seigneur. Ni les hommes dans les nations, ni le système de la bête, ni les maladies, ni le mensonge, les malins qui rôdent, les démons, ni quoi que ce soit, Seigneur. Car tu es avec nous, Saint Michael, Archange, notre défenseur dans le combat. Amen. La terreur des démons. Amen. Tu as dressé devant nous une table, celle de l'Évangile. Donne-nous d'y manger tous les jours, Seigneur. Rends-nous brûlants, rends-nous affamés de tes saintes paroles et fais-nous les méditer, Seigneur. Nous serons en face de nos adversaires, eux qui sont dans la famine et la disette. Merci d'avoir donné l'onction du Saint-Esprit à Jésus-Christ, notre tête, notre chef en qui nous nous confions. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui pense pour nous, qui regarde pour nous, qui juge pour nous et qui fait toutes choses pour nous. Amen. Notre coupe déborde, elle déborde du sang de l'agneau, mais elle déborde aussi de zèle pour notre Dieu. Amen. On est rempli des paroles de notre Dieu, des fruits du Saint-Esprit. Nous sommes une coupe, amen, dans la main de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a remplis. Après, bien entendu, nous avoir vidés de notre ancienne vie, de notre ancien homme. Amen. Bénissons l'Éternel pour toutes ses œuvres. Elles sont grandes, ses œuvres, les amis. C'est pas juste des miracles de résurrection dans la chair. C'est déjà des grandes œuvres ce qu'il fait dans la chair. Mais là, ce qu'il fait dans l'esprit, restaurer vos âmes, vous remplir des fruits du Saint-Esprit, vous guider vos âmes jusqu'au royaume des cieux, vous sortir de ce monde, vous donner la paix, les eaux de vie, vous donner un toit, vous donner un père, vous conduire à cet Éden. Amen. C'est vous donner la liberté dans ce que ce monde infâme n'aura jamais, malgré toutes les richesses et l'orgueil. Vous n'imaginez même pas ce que l'Éternel est en train de faire en esprit. Louons et bénissons l'Éternel d'être un grand Dieu, riche en miséricorde, et de travailler lui-même, de se donner tant de peine pour des brebis. Nous sommes que des brebis, les amis. Nous sommes que des serviteurs de Dieu. Se donner de la peine alors qu'il pourrait très bien recréer des hommes et sans problème. Amen. Le Seigneur a oint d'huile Jésus-Christ, notre chef, et il nous conduit, parce que le Seigneur a fait de nous le corps de Christ. Le parfum est descendu sur la tête de Aaron jusque sur sa barbe et il est tombé sur son corps. Jésus est le parfum, la bonne odeur, la tête qui a l'onction de Dieu. Et si nous sommes son corps, nous avons des chances d'être touchés de l'onction de Dieu, la grâce d'être touchés de l'onction de Dieu. Pas la chance, mais la grâce. Amen. Le bonheur et la grâce nous accompagneront, oui, parce que notre Dieu est vertueux, notre Dieu est vertueux, notre Dieu est béni, amen. Notre Dieu est tout-puissant, c'est lui qui fait grâce parce que c'est lui qui crée les instants et les moments, c'est lui qui donne la joie, qui donne les vertus du Saint-Esprit, c'est lui qui donne les prières, c'est lui qui donne notre entrée dans le royaume des cieux, c'est lui qui donne cette eau de paix, c'est lui qui donne le chemin, c'est lui qui fait tout. Amen. Bénissons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Bénissons Jésus-Christ, notre roi. Bénissons-le tous les jours de notre vie, soyons dans l'allégresse, les amis, soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Donc obéissons à Dieu, gardons la vérité, soyons dans la paix les uns avec les autres. Aimons-nous les uns les autres, parce que c'est ce qu'il attend de nous. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Dans le corps de Christ, jusqu'à ce que le Seigneur le décide. Amen. Alléluia. La fin de nos jours charnels, c'est pas la fin de notre habitation dans le corps de Christ, mais après avoir passé dans le corps de Christ, le Fils, on entre dans le Père, le royaume des cieux. Amen. Et nous habiterons là-bas jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce que le Seigneur décide que ce soit la fin, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il y a une éternité, hein. Le Seigneur donne une éternité, mais le Seigneur pourra peut-être décider un jour qu'il y ait une fin à l'éternité. On est dans une alliance avec lui pour un salut éternel, mais il y aura peut-être jamais de fin dans ce salut éternel. En tout cas, c'est Dieu qui en décidera, puisque c'est Dieu qui décide de tout. Amen. Il est 4h40.
Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la grâce. Louons l'Éternel une dernière fois, car il est bon et sa miséricorde dure toujours. Donc je ne viens pas cet après-midi à 14h30. Je ne fais pas de live, puisque j'ai fait mon temps... J'ai fait mon temps ce matin d'étudier, de prier. Amen. Je ferai un live si le Seigneur veut que je fasse un live. En tout cas, ben là, je vais me préparer parce qu'il faut que j'aille bosser. Et puis, mon job, c'est quand même pas de la tarte. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Je vais quand même prier, moi, la prière du Notre Père. Parce que hier, ben, mes enfants, je les ai laissés seuls. Puis évidemment, ils ont subi une attaque. Parce que j'étais pas là, ma fille a subi une attaque. Ils n'ont pas pu rentrer à la maison. Mais ma fille devait descendre à la cave, prendre le vélo et dans la cave, elle a subi une attaque. Elle dit, maman, il y a une espèce de nuage de poussière qui s'est mis devant moi et qui m'empêchait de sortir. Il tenait la porte de la cave. Il m'empêchait de sortir. J'avais mis une pierre pour caler la porte. Il a retiré la pierre. C'était une lutte. Voilà, l'ennemi nous combat, l'ennemi nous pourchasse. Et puis le pire, c'est que là, elle doit redescendre à la cave parce que là, elle a son rendez-vous pour aller à son permis de conduire. Alors je lui ai dit, tu prends la prière à Michael Archange, tu vas voir comment il va fuir. Et tu prends du sang de l'agneau, tu ne descends pas dans la cave comme ça, encore une fois, toute seule, sans rien. Mais elle est bien heureuse, parce qu'heureusement, le Saint-Esprit lui a donné la force de pouvoir ressortir de cette cave et de pouvoir lutter avec l'ennemi. Amen. Mais je lui ai dit, là, tu descendras avec ton frère, vous prendrez du sang de l'agneau, et puis essayez à quoi que ce soit. Vous priez Melchizedek, vous priez l'Éternel des armées, Michael Archange, défendez-nous dans le combat. Amen. Parce que ça fait fuir l'ennemi. Ça, l'ennemi, il est terrassé, l'ennemi, il est terrorisé. À chaque fois, l'antéchrist Popo, il m'insulte, mais à chaque fois que je commence à dire Michael Archange, à peine j'ai dit ça, déjà, ça y est, il a déjà fermé sa bouche. Amen. Il faut fermer la bouche des lions qui vous maltraitent et qui vous persécutent, les amis. Il faut quand même prendre l'autorité. Et l'autorité, c'est Michael Archange. C'est lui l'épée de l'Éternel des armées qui a fait tomber le diable même sur la terre. Amen. C'est lui qui nous défend dans le combat. C'est lui notre défenseur. Amen. Donc il faut confier son nom. Il faut se confier dans son nom, parce que c'est son nom qui fera chasser l'ennemi. Michael Archange, terreur des démons, défends-nous dans le combat. Cette simple petite phrase terrorise l'ennemi. Le sang de l'agneau immolé, la fin du monde terrorise l'ennemi. Amen. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Merci d'avoir été là. Shalom les amis. Et gloire à Jésus-Christ. Amen.